Bonjour tout le monde, bienvenue. Ah, ça y est, je vois que vous êtes là, super, bien, c'est top, bienvenue tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vois qu'il y en a quelques-unes qui arrivent, coucou ma Sandrine, coucou Fabienne, Nathalie, Martine, Jocelyne, l'autre Martine, l'autre Sandrine, Anne-Lise, coucou, hello ma belle Ticia, comment tu vas? Je coupe le son ici, voilà, super. Bon, alors, a priori vous avez l'air de m'entendre parce que du coup j'ai eu le retour de ma voix sur mon téléphone, là où je regarde vos commentaires, donc tout va bien. Je vois que quelqu'un m'appelle en même temps sur Messenger, donc cette personne pourrait-elle me rappeler plus tard, s'il vous plaît? Parce que là, ce n'est pas possible. Coucou ma Fabienne, coucou Rachel. Bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, on est mercredi, il est 14h et exceptionnellement, comme pour le mois de janvier, il ne s'agit pas aujourd'hui d'un live créatif, enfin... pas à proprement parler, en tout cas pas ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, il s'agit donc de se retrouver pour le deuxième épisode des portes ouvertes virtuelles. Bienvenue à toutes et à tous. Sandrine, j'ai cette chanson-là dans la tête depuis hier soir. Et du coup, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Et je l'ai entendue à la radio et à la télé en plus hier soir et ce matin, du coup, c'est une horreur. Coucou Marielle, Muriel et Marotine. J'ai fait un mix, ça promet. Coucou Chantal et Jean-Luc, comment allez-vous? Bienvenue. Alors aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire d'une de mes VIP, donc gros bisous à Laurence, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu as reçu ma carte, bien sûr. Coucou Véronique, comment ça va? Tu as oublié le catalogue Ticia? Non mais vraiment, enfin, à quoi penses-tu? Ma petite Béatrice, c'est toi qui m'appelles. Attends, je pense que Béatrice, qui est une de mes filleules, n'arrive pas à trouver les portes ouvertes. Et du coup, elle m'appelle sur Messenger. Ça fait tout sonner. Je vais la taguer. Voilà. Non, Muriel, je ne vais pas chanter. Mon Dieu, quelle idée. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je ne vais certainement pas... Oui. Fabienne, tout à fait. Je l'ai taguée, peut-être que du coup elle va... alors, hop, voilà, on va faire ça. Ça va peut-être être mieux comme ça. Coucou Daniel. Alors, si vous arrivez ici par hasard, d'abord je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires que je puisse vous faire un petit coucou. Ça me fera un grand plaisir. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là cet après-midi, ne vous inquiétez pas. Cet épisode des portes ouvertes en fait sera disponible en replay sur cette page et également sur ma chaîne YouTube, donc pas de panique, vous pourrez regarder tranquillement plus tard. Je reçois de l'autre côté les messages de Béatrice, hop, voilà, peut-être qu'elle va nous rejoindre sur le live, on va voir si le fait de l'avoir taguée va aller. Nous n'avons pas le catalogue, parti garder les petits enfants, pas grave Chantal. Pas grave, profitez bien des petits enfants. Coucou Muriel, comment ça va? Non, l'autre Muriel, ce n'est pas chez toi que ça sonnait, c'était bien chez moi. La musique que j'ai dans la tête, c'était Je coupe le son de Philippe Catherine. Et non, je ne chanterai pas. Coucou Sonia, coucou Laurence, du coup j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as reçu ma carte et je te souhaite un très joyeux anniversaire parce que je ne t'ai pas vu avant. Non, je ne vais pas danser non plus. Dendrine, je te vois venir, il n'en est pas question. Coucou Marie. Alors, bon, je disais, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Partagez-la sur vos murs Facebook. Voilà, pas sur les groupes de mes collègues, s'il vous plaît. Par respect pour elles, tout simplement. Ça paraît logique. Voilà, mais sur vos profils, vos murs, likez, partagez, voilà. C'est grâce à vous que je suis toujours là aujourd'hui. Muriel, t'as la forme, c'est génial. Oh Laurence, t'es pas chez toi? Bon bah écoute, c'est pas grave, t'auras une petite carte à ton retour. Coucou Josie, Karine, ah Béatrice nous a rejoint, hello Fatou. Alors, nous allons quand même entrer dans le vif du sujet. Non, je ne chanterai pas, même pour Laurence. Ces fameuses portes ouvertes virtuelles, j'avais envie donc de faire un deuxième épisode puisque tout vous montrer d'un coup c'est un peu compliqué et puis voilà, se retrouver un petit peu différemment au mois de février, ça me faisait plaisir, j'espère que vous aussi. Hello Rose, comment vas-tu? Alors aujourd'hui je vois que voilà, un petit peu dans l'ombre, j'ai Rose, notre responsable des démonstratrices France qui est voilà, en cachette sur le live. Cette fois, je t'ai vu. Voilà, voilà. Donc, coucou Fatou, tu vas bien ma belle? Oui, 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 t'es vu Rose, raté. Bon, alors Rose, voilà, elles veulent me faire chanter, donc je ne te dis pas. Non, je ne ferai pas ça, je n'oserai pas. Non, 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 mon Dieu, surtout pas, coucou Delphine. Alors, plein de choses à vous dire pour ce deuxième épisode des portes ouvertes virtuelles, vous le savez, nous sommes toujours dans la période de la Celebration. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une période promotionnelle de 2 mois, voilà, qui prend fin, attention, le 28 février, hein, donc il ne reste que quelques jours. Coucou Marilène, ça me fait plaisir de vous voir ici. Donc voilà, on est presque à la fin et c'est l'occasion pour vous d'avoir plein de choses. Plein de choses. D'abord, des cadeaux. Voilà, vous avez le choix parmi une bonne dizaine de cadeaux dans la brochure Celebration. Si vous ne l'avez pas, vous la trouverez donc dans le lien au-dessus de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube en version numérique. Donc vous allez voir vraiment des petites merveilles, mais attention, le 28 février c'est terminé, vous ne pourrez plus les avoir, donc surtout, ben, ne tardez pas, hein, on est d'accord. Et puis, cette Celebration, c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir des petites choses en plus. Et je suis sûre qu'il y en a déjà qui commencent à savoir où je veux en venir. Eh bien, c'est très simple. Pendant la Celebration, lorsque vous allez rejoindre mon équipe, vous allez avoir droit, grâce à Stampin' Up qui nous fait toujours des petites choses très très sympathiques, eh bien tout simplement à 2 sets de tampons offerts en plus de votre kit de démarrage. Voilà, je serais ravie de répondre à toutes vos questions sur le sujet. En tout cas, je vous assure, vraiment, c'est quelque chose qui a clairement changé ma vie depuis ce fameux 3 janvier 2020. Mon Dieu, que le temps passe vite, il s'en est passé des choses depuis le 3 janvier 2020. Plein de choses ont changé, que ce soit la vie pro, bah oui, voilà, vous voyez, mais la vie perso qui... été modifiée par tout ça, des rencontres incroyables, j'ai une petite équipe là qui est vraiment extraordinaire, j'ai dernièrement Sandrine qui nous a rejoint il y a quelques jours, voilà, donc je vous attends, rejoignez notre petite équipe et vous allez voir, on va passer des bons moments et du coup on a des échanges qui sont bienveillants, drôles, et puis voilà, on est tous accros, hein, donc... voilà, démo ou pas, on est là pour Stampin' Up. Voilà, voilà. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, je suis joignable par téléphone, par mail, sur Messenger, sur WhatsApp, bref. Je suis sûre que si vous en avez envie, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main pour pouvoir me contacter. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, rejoignez-moi. Coucou Héloïse, mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Je papote, je papote. Une marraine en or, la liste de ses qualités est encore plus longue que ma liste de souhaits Stampin' Up. T'exagères. Marilène, on est 14 dans mon équipe actuellement. J'ai des marraines, des filleules, pardon, et des petites filleules. Voilà, donc là, là nous sommes en tout, moi comprise, nous sommes 14 dans l'équipe. Voilà. Et oui, Sandrine, c'est toi qui m'a rejointe il y a quelques jours. Alors, pour ce deuxième épisode, je voulais annoncer, vous l'avez peut-être vu ou pas, on va faire une deuxième chasse au trésor. Et cette fois, je vais faire gagner pas une, mais 2 personnes. Et je remets tout simplement en jeu le set de tampons Calme de Camélia, qui est absolument magnifique. Peut-être auriez-vous envie de le voir. Je vais vous le montrer. pour celles qui ne le connaissent pas, voilà. Hop, c'est celui-ci qui est normalement accessible aux grosses commandes de 375 €. Ou les commandes groupées aussi par exemple, et bien voilà, là je vous fais le cadeau de l'offrir à 2 personnes. Donc je vous rappelle les règles de la chasse au trésor, tout simplement. Je vais poser au cours de ce live 10 questions, en rapport évidemment avec le contenu du mini catalogue. Voilà, donc vous entendrez une petite alarme toutes les 20 minutes environ, sauf pour la dernière où je poserai 2 questions. Ok. Donc 10 questions, vous trouverez les réponses dans le mini-catalogue, prenez votre temps. Ne donnez surtout pas les réponses dans les commentaires, voilà, pour laisser voilà, le petit piment à tout le monde et puis pour les personnes aussi qui vont regarder ce live en replay bien sûr. Je vous demande donc de m'envoyer vos réponses par mail sur l'adresse que vous connaissez, harmonyscrap.fr, en me précisant bien chasse au trésor dans l'objet. Et du coup, suite à ça, donc vous avez jusqu'à dimanche 13 février midi pour m'envoyer vos réponses. Je ferai ensuite un tirage au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. Et je vous invite dans la foulée à un Zoom à 17h30 ce même dimanche pour vous donner les réponses de ces 2 chasses au trésor, voilà, et puis qu'on papote un petit peu. Donc du coup, dans la foulée, je vous enverrai le lien pour vous connecter. Oh Héloïse, tu cuisines en même temps, miam miam, tu nous fais quoi de bon ma belle? Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les règles pour la chasse au trésor. 2 gagnantes, 10 questions, on ne met pas les réponses dans les commentaires, on me les envoie par mail en précisant bien l'objet s'il vous plaît, ça m'évite voilà, de les perdre dans la masse de mails que je peux recevoir quotidiennement, et ça sera plus simple. Et oui, effectivement, et on se retrouvera ensuite, donc les réponses sont à envoyer jusqu'à dimanche midi, dernier délai, ok, et on se retrouve le même dimanche 13 février à 17h30 pour un Zoom, pour avoir toutes les réponses à cette chasse au trésor, et puis ben, pourquoi pas, si vous avez des questions, moi aussi je pourrais y répondre, ça marche? Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer. Je vais vous présenter donc quelques créations en lien donc avec les produits du mini catalogue. N'hésitez pas à me poser vos questions, bien sûr, je suis là pour ça. Voilà, sur l'utilisation, sur peu importe, voilà, ce qui vous vient à l'esprit, et puis aussi à me faire vos commentaires sur les produits, sur les créations, sur vos envies, sur voilà. Échangeons, on est là pour ça, on se fait plaisir, on est ensemble à peu près jusqu'à 15h30 ensemble. Oh, tu es mamie Marilène, félicitations en tout cas, bravo. Une petite fille, mais comment elle s'appelle? Coucou Fabienne, comment ça va? Le tout est de trouver les réponses. Ah oui, ça va être un petit peu corsé, mais pas trop, vous allez voir. De toute façon, forcément, les réponses sont dans le catalogue. Prenez le temps, voilà, et puis pensez bien à prendre là. Prenez votre petit papier, votre petit crayon pour bien noter les questions, pour pouvoir y revenir ensuite. Bonjour Catherine, comment ça va? Alors, c'est parti. Pour commencer ce 2e épisode des Portes Ouvertes, j'avais envie de vous montrer une création. Ah, c'est la petite fille d'une amie, autant pour moi Marilène, pardon. J'avais mal lu. Ah non, c'était pas précisé. Bon, voilà. J'avais envie de vous parler d'une collection qui vient de sortir là, il y a quelques jours, qui s'appelle la collection Tous Ensemble, avec des magnifiques blends, du papier bien sûr, sets de tampons, poinçons, ils sont trop beaux. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, ils sont trop beaux. Donc je vous ai fait une petite carte, vous l'avez déjà vue puisque du coup je m'en étais servi aussi pour le live. Je parle de la collection, hein, cette création-là je ne l'avais pas montrée encore. Catherine, je suis contente que vous alliez bien, j'espère que vous allez passer un bon moment. Alors la voici, voilà, une carte, ce qu'on appelle swing card. Alors je ne sais pas si on voit mieux comme ça ou comme ça. Ah, c'est mieux comme ça, je vais enlever ça. Hop, voilà. Donc, c'est un peu une carte, ça porte plusieurs noms, hein, essuie-glace, swing card, voilà, vous allez voir pourquoi. quand on l'ouvre, hop, c'est magique, ça tourne. Donc vous voyez, j'ai utilisé le papier design. Coucou Jamila, comment ça va? Hop, hop, c'est magique, c'est super joli. Voilà. Donc le papier design, bien sûr, vient de cette fameuse collection Tous Ensemble. Je vous montre tout de suite le papier. Voilà, donc c'est du papier qui est en format 15-15. Hop, il y a tout ça. Vous vous rendez compte? Tous ces modèles-là sont dans ce lot de papier. Coucou Marcel, comment ça va? Pardon. Donc le noir et blanc, idéal parce que du coup ça va avec tout. Il n'y a pas de question à se poser, on peut l'associer avec n'importe quelle collection, avec n'importe quelle couleur, c'est juste magique. Voilà, c'est le top. En plus, on peut même s'amuser à coloriser le papier avec les blends, les Stampin' Write, les brosses à estompe. Voilà, on peut s'éclater pour le customiser et se l'approprier et vraiment rendre la coordination absolument parfaite. Donc ça, les collections noir et blanc, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment le genre de collection qu'il faut avoir. Donc le paquet de papier contient 48 feuilles en 15-15 et il est à 14 €. C'est une collection éphémère, donc ne tardez pas trop si elle vous fait de l'œil. Oui, le rose fait ressortir, donc justement, tu as raison de m'en parler, Sandrine, le rose, vous voyez, qui est ici. Oui, tu peux juste acheter le papier, Muriel, il n'y a pas de problème. Le rose, il s'agit du magenta en folie. C'est un rose que j'aime particulièrement puisque c'est une couleur que j'ai utilisée pour mon logo, notamment le rose que vous voyez, c'est magenta en folie. Magenta en folie, c'est un incolore. Ah, on a la première alarme. Je termine juste ma phrase et je vais vous donner la première question. Le magenta en folie, c'est un incolore 2020-2022. Je dis bien 2022, ce qui signifie que ce rose-là, le magenta en folie, va bientôt disparaître avec la fin du catalogue annuel. Nous aurons bien sûr 5 autres nouvelles couleurs que je ne connais pas pour l'instant. Voilà, on n'a pas encore bien sûr les couleurs, ça va être une surprise, il faut encore qu'on attende quelques semaines. On est impatientes toutes et tous de les découvrir, c'est toujours une grande fête de découvrir les nouvelles incolores, mais toujours est-il que les incolores 2022, eh bien elles vont bientôt disparaître. Donc avant les fins de série, je vous conseille, si vous n'avez pas encore ces couleurs et qu'elles vous plaisent, si vous avez les pattes d'encre mais pas pris les recharges, si vous n'avez pas les blends, bref, eh bien pensez-y maintenant avant qu'il y ait des ruptures, avant que les fins de série n'arrivent, sinon vous risquez d'être déçus et de ne plus pouvoir vous les procurer. Donc vous les connaissez, c'est une couleur 2022, magenta en folie, juste jade, mystérieuse brume, cidre à la cannelle et beau bourdon. Voilà. Donc c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Le nouveau catalogue, c'est au mois de mai, l'annuel, ma belle Muriel. Si tu regardes derrière ton annuel, tu l'as peut-être pas là, vous avez toujours les dates qui sont marquées sur la prochaine sortie. Alors c'est parti, on y va pour la première question de la chasse au trésor numéro 2. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va? Oui, c'est ça, c'est Sandrine, t'as raison, c'est ça, c'est au mois de mai. Alors... Nommez le lot où les poinçons sont des mots. Nommez le lot où les poinçons sont des mots. C'est bon? Vous avez noté? Nommez le lot où les poinçons sont des mots. Voilà, c'était la première question. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième question. Alors voilà, cette fameuse swing card. Du coup, ici... Vous avez vu ces belles mains. Donc là, il y existe des poinçons donc pour les découper parfaitement. Évidemment, hein, le vernis est en magenta en folie, bien sûr, avec les blends, hein, bien sûr. Et la colorisation des mains est tout simplement faite avec les nouveaux blends. Voilà, on a plein de nouveaux blends justement pour les colorisations de peau. Donc voici les deux premiers. Enfin, c'est les deuxièmes, pour être plus précise. On a les plus clairs, que j'aurais dû vous montrer avant. Voilà. On a aussi le teint moyen. Hop. C'est incroyable. Pour les colorisations de peau, les animaux et tout, c'est juste magique. La cerise sur le gâteau. De belles mains, un beau vernis, la cerise sur le gâteau. T'as tout compris. Hop. Donc ça, les deux autres couleurs un peu plus foncées. Et on arrive sur les dernières. Voilà. Donc là, vous imaginez toutes les nuances de couleurs qui sont possibles. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un encreur pour la couleur de peau? Non, Muriel, il n'y a pas d'encreur pour la couleur de peau. C'est uniquement les blends. Voilà, principalement les blends pour, en même temps, coloriser. Bon, après, si, avec les pinceaux. Mais non, non, il n'y a pas de pâte d'encre pour ça. Marotine, oui, pour les troncs d'arbres aussi, exactement. On peut faire des nuances parce qu'on n'est pas obligé de se contenter de la colorisation de la peau. Ça peut être donc la peau, les animaux, les petits personnages et effectivement les éléments de la nature aussi, tout à fait. Hâte de recevoir mes nouveaux blends avec tes petites surprises. Oui, 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 oui. Patience, patience. Fin de semaine, début de semaine prochaine, tout ça, ça devrait arriver. Vous inquiétez pas. Le set de tampons mieux ensemble, donc toujours la collection. Voilà, avec donc les poinçons pour les mains, hop, que j'ai mis à l'intérieur. Et nous avons aussi des mots à découper. Là pour toi et tu comptes. Voilà, hyper pratique. C'est trop top. Donc voilà, ça c'est la collection Tous Ensemble qui est vraiment superbe. Moi je suis vraiment fan de cette collection. Ici le sentiment, vous allez me dire mais il ne fait pas partie de ce set là. Effectivement. Vous aurez raison de le penser. Ce sentiment avec toute ma tendresse, que je trouvais très mignon, en fait, il fait partie d'un autre set que je vous ai montré la dernière fois, en vous présentant donc cette carte avec les magnifiques hirondelles. Et bien voilà, le sentiment vient de Avec toute ma tendresse, du set Vol d'hirondelles. Voilà, si jamais vous vous posiez la question, voilà d'où vient ce sentiment. Ok. Alors, maintenant que la collection Tous Ensemble est terminée, nous allons continuer. Je vais juste me projeter là-bas pour récupérer et déposer ce que j'aurais fait. Voilà, je vais garder ça près de moi pour pouvoir les ranger. Bon alors, elle vous plaît cette petite carte là? La swing card, est-ce qu'elle vous tente? C'est vrai qu'à l'image, ça ressort drôlement chez mon retour vidéo là. J'adore, ça ressort trop bien. J'espère qu'elle vous plaît en tout cas. Alors, ensuite, on va partir sur un set de tampons qui est vraiment très très joli. Donc vous le savez, hein, j'ai pas fait, je ne fais pas 50 créations par produit, puisque de toute façon, vous ne vous souviendriez pas de tout. Mon Dieu que c'est dur à dire. Coucou Aurore, comment vas-tu ma belle? Hop, donc on y va tranquille. Le set de tampons, c'est un lot en fait dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, c'est celui-ci. Alors, on ne rouspète pas. Oui, je sais, les sentiments sont en anglais, mais c'est pas grave, pas de panique. Merci Laurence, c'est gentil, merci Marie. Ah bah Drin Drin, c'est parfait ça, j'aime bien l'idée. Vraiment pas grave si les sentiments sont en français. On a suffisamment de sets de tampons avec des sentiments en français pour ne pas se priver de design aussi beau que cela. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Ça sent le printemps. Oui Titia, je suis bien d'accord, ça sent le printemps et on a vraiment hâte que ça arrive. J'ouvre un peu, j'ai très chaud d'ailleurs. Hop, voilà. Ils sont magnifiques ces tampons, regardez. Regardez cette perfection. Ce sont ce qu'on appelle les tampons distinctifs, ils sont incroyables. Et bien sûr, il fait penser au kit. Oui, c'est vrai, exact. Ah, coucou ma Laurence, je t'avais pas vu. Ah, bah Laurence, ça me fait plaisir. Donc, vous avez toutes ces découpes avec. Petite frise, vous avez l'arrosoir. Les bottes et le petit matériel, bien sûr, pour le jardinage. C'est pas mal, hein? Hop, voici les tampons. Voilà. Et donc la petite carte, elle est très simple. Je voulais vraiment vous montrer à quel point c'était joli. C'est tout simple. Je vais craquer pour le tableau magnétique. Oui, je vais en parler après, Béatrice. Mais t'as raison, moi c'est fait. Hein. Alors voilà la petite carte que j'ai réalisée donc, pour vous présenter ce lot. Ah oui, j'avais pas tout vu ma belle, désolée, désolée Laurence. Bon courage pour ton kiné tout à l'heure. Oui, les bottes elles sont trop belles, on est d'accord. Elles sont magnifiques, regardez. Donc là les tulipes sont en un seul morceau normalement. Et donc pour les coloriser, j'ai simplement colorisé directement le tampon avec les Stampin' Write. Vous les connaissez, les feutres à eau, du coup ça permet de faire plusieurs couleurs sur notre tampon quand on en a envie bien sûr. J'essaye de zoomer pour que vous voyez encore mieux les détails. Vous avez vu comme il est beau ce tamponnage, il est vraiment magnifique. C'est joli hein, ça rend super bien. Je vois bien Harmony utiliser ce lot et nous chanter la guédou. Vous n'êtes pas croyable. Vous êtes insupportable. C'est quoi cette manie de vouloir me faire chanter depuis 1 an et demi? Franchement, c'est pas possible. C'est une carte toute simple, hein, vous voyez. Hop. Toute simple, mais elle fera peut-être l'objet d'un live, histoire de parler un peu colorisation notamment, parce que c'est quelque chose de très simple, mais je trouve que ça rend vraiment très bien. Voilà. Et donc, pour en revenir à l'histoire des sentiments, vous voyez, regardez, joyeux anniversaire. Ouais, je l'ai simplement pris dans un autre set de tampons. Voilà, c'est parfait. On s'éclate, mais du coup, on ne se prive pas de ces magnifiques designs qu'il y a dans ce set. Voilà, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Je suis sûre que j'ai réussi à vous convaincre. Alors, les Stampin' Write, c'est top pour ce genre de tampons ou les sentiments quand on veut juste un mot exactement. J'ai fait ma petite collection, moi par moi. Oui, effectivement, c'est vrai, ma belle. Coucou, Francine. Oh oui, pourquoi oh oui, Francine? Ne me dites pas que c'est pour que je chante. Hein. Alors, on passe à la suite, avant qu'on ait le bip de la deuxième question de la chasse au trésor. Alors, un set de tampons tout simple, mais qui permet de faire notamment son papier design soi-même, par exemple. Et ça, c'est ce que j'adore, vous le savez. Il s'agit... Francine, ça suffit. Je ne chanterai pas. Tourbillon d'émotion. Il est très très joli. Vraiment très joli. Il a été inventé par une démonstratrice américaine. Et du coup, on a vraiment ces jolies petites courbes là qui sont magnifiques. Pas de problème, Marie. Bah, écoute, on fera ça. Compte sur moi, ma belle. Coucou, ma Camille. Comment tu vas ? Ah oui, c'est les vacances, hein, c'est cool. Voilà, il est très simple, très joli. On a des polices d'écriture qui sont très sympas aussi et qui permettent de faire des choses très simples ou un peu plus compliquées, mais le champ des possibles est assez vaste. Donc j'ai fait 2 petites cartes toutes simples justement en créant moi-même de façon très simple mon papier design. Donc vous avez une version très très simple pour débutantes, très épurée. Oui, Sandrine, c'est vrai qu'il est très beau. Hein. Donc, très épuré, très simple. Pour les débutantes en carterie, c'est l'idéal. Voilà, ça leur permet de créer elles-mêmes, d'apprendre à créer elles-mêmes leur papier design sans avoir peur, de faire quelque chose de très joli, très simple. Et ça passe super bien. Donc là, vous voyez, hop, le papier design est créé avec l'encre Ardoise bourgeoise, tout simplement. Le papier de matage Pierre Rose polie, hein, je reste dans le rose, j'adore le rose, tout simplement. Un petit morceau de ruban, une étiquette et le tour est joué. Des jolies abarabesques, oui, sympa pour un grémenté, initial pour une carte de mariage. Exactement, je suis bien d'accord, il y en a plein des idées, il y a vraiment... Exactement ça, le champ des possibles est super large, donc c'est pour ça que je le trouve très sympa. Donc j'ai fait le même principe, donc une carte un petit peu plus élaborée pardon, pour les niveaux un tout petit peu plus supérieurs. Mais alors attention, hein, on ne parle pas, oulala, tout va bien, hein, on ne s'inquiète pas. Même principe, sauf que là j'ai colorisé donc l'intérieur des grosses fleurs et du petit papillon ici avec bah, tout simplement les tampons prévus à cet effet. Voilà, tout simplement, je suis restée dans la même gamme de couleurs. Un petit peu de noir pour faire ressortir encore plus ce beau rose. Et puis pour la coordination, j'ai ajouté le ruban organza noir, tout simplement. Voilà. Et vous reconnaîtrez peut-être le sentiment qui est ici, qui fait partie du set de tampons Calme de Camélia, justement. J'essaye de zoomer, vous avez vu, le ruban est magnifique. Voilà, c'est tout simple. À l'intérieur, il me restait une petite chute de mon papier design. Je l'ai simplement mise à l'intérieur pour décorer un petit peu ma carte. Et voilà, le tour est joué en fait. C'est tout simple. Et encore une fois, on peut faire plein de choses. Donc j'ai hâte de voir vos créations avec, avec ce set de tampons. Tourbillon d'émotion. C'est beau, hein? Du rose et des paillettes, c'est la vie, quoi. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Ok, allez, on passe à la suite. Hop. Et là, on va partir. Alors, je sais qu'il y en a qui vont encore respéter, mais vous allez voir, moi, j'ai pas pu résister que de travailler avec. Et en plus, alors, il s'agit. Tu préfères la deuxième? Oui, bah, elle est plus travaillée, Muriel. C'est normal, t'as l'habitude, toi, ma belle. Ce set de tampons, Every Chapter. Ne rigolez pas sur mon accent anglais, je fais un effort. S'il est trop beau, en fait, en lui-même, il est absolument magnifique, je l'adore. Même si on n'est pas doué en anglais, sincèrement, une fois qu'on a la traduction, et sincèrement, on peut même rajouter la traduction dans notre carte. On rajoute une petite étoile sur notre carte, et à l'intérieur, par exemple, on écrit la traduction. C'est hyper simple. Ça veut dire... En gros, il y a plusieurs traductions, bien sûr, mais je chéris chaque chapitre de notre amitié. C'est juste magnifique. Juste magnifique. Quand on envoie une carte comme ça à une amie, c'est juste trop beau. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et du coup, il y a plein de possibilités avec ce set aussi. Coucou Virginie! Donc, il est tout simple, en un seul morceau. Mais alors là, question colorisation, je vous assure qu'on s'éclate. Vraiment, il y a de quoi s'éclater. J'ai préparé, Marie, t'adores l'idée de la traduction. Bah ouais, c'est tout bête, il faut pas rester bloqué sur des choses, des petites choses comme ça. Il y a des solutions à tout. Moi, je prône la recherche de solutions, vraiment. Je trouve ça, voilà, faut pas rester bloqué et dire je comprends rien, alors voilà. Non, il y a plein de solutions. Donc je disais, j'ai commencé à me lancer dans les créations et tout, et à un moment il a fallu que je m'arrête, parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais me retrouver avec 15 cartes du même set de tampons, ça va pas être possible, j'ai pas que ça à travailler. Mais du coup, en termes de colorisation, c'est juste un vrai bonheur. Oui ma Fabienne, il est bien dans le mini catalogue celui-ci, j'ai pas la page là tout de suite en tête, mais page 12, non pas 12, 22 peut-être, je sais pas pourquoi il y a des 2 dedans. 62, voilà, merci Muriel, page 62 du mini-catalogue. Ah, on s'éclate avec ce genre de tampon. Quand on aime la colorisation, par exemple, on s'éclate. Alors, je vous montre. Alors, j'en avais commencé d'autres, mais je me suis dit 2, ça sera déjà bien. N'allons pas trop loin. Alors, la première version que je vais vous montrer, c'est tout simplement une technique d'embossage à chaud, donc le pistolet chauffant, la Versamark, la poudre à embosser. Donc là, j'ai embossé mon tamponnage avec de la poudre blanche, tout simplement, que j'ai tamponné sur mon papier blanc. Alors vous allez voir, voilà, ça permet de l'avoir un petit peu en 3D, tout simplement. Mon zoom a l'air de bien fonctionner aujourd'hui, c'est trop cool. Voilà. Ensuite, eh bien, tout simplement, j'ai utilisé brosse à estompe. Voilà. J'ai colorisé l'intégralité du papier blanc avec les brosses à estompe en mélangeant deux couleurs. Je ne sais pas si vous la voyez bien apparaître à l'image. Ah si, peut-être quand même. Donc je suis partie sur le Pierre Rose polie en haut. Non, pas du tout, excusez-moi. Frésia en fleurs, mon dieu. Frésia en fleurs en haut, que j'ai mélangé à Horizon de bruyère. Donc ça fait du plus foncé au plus clair selon qu'on va du bas vers le haut. Merci Martine, c'est gentil. Et du coup, voilà, c'est tout bête. On a une carte toute simple qui est complètement originale et qui est vraiment magnifique. Des petits embellissements. Alors, est-ce que le zoom, cette fois, j'ai parlé trop vite? Il faut que je l'aide peut-être. Là, viens là. Non, bon, vous voyez les petits embellissements disséminés un petit peu partout. Et puis là, vous voyez, vous devez le voir, apercevoir, ça brille. Et bien, tout simplement... à l'intérieur, là, dans les creux, j'ai passé mon pinceau à paillettes Wink of Stella. Voilà, du coup, ça brille, c'est tout simple, tout bête. Un petit morceau de ficelle à rôti blanche. Voilà, l'horizon de bruyère ou grappe gourmande en matage et le tour est joué. Et vous voyez, quand je vous dis on envoie ça à une amie, on a le set de tampons vantardise, trop bien. Pour envoyer à une copine. Et voilà. C'est beau, hein? C'est tout bête. Et la deuxième version, alors, ça fait pastel. Oui, oui, ça fait pastel, exactement. Même principe, sauf que cette fois, donc j'ai encore fait l'embossage à chaud avec de la poudre noire, cette fois. Donc je n'ai pas passé la brosse à estompe. Oui, ils sont très beaux les petits papillons Ticia, c'est vrai. Alors, embossage à chaud avec la poudre noire. Voilà. Et juste deux petites touches de couleur sur la petite fleur et le petit marque-page ici. Les petites perles que j'ai tout simplement colorisées avec les blends. Voilà. Ah, la deuxième question est sur le point d'arrivée. Donc, colorisation de nos petites perles avec les feutres à alcool. Tout simplement. Et le tour est joué. À l'arrière, vous reconnaîtrez probablement le papier Beauté marbré de la Celebration. Voilà. Le Pierre Rose poli. Et c'est parti! Coucou Isabelle, bienvenue à vous. Alors, quelle différence avec le Crystal Effect? Alors, le Crystal Effect, Rachel, il est utilisé pour faire quelque chose d'un peu plus en 3D et ne brille pas. Il est transparent. Donc tu peux t'en servir pour créer par exemple des petits embellissements, mais aussi pour donner un effet plus glossy, comme dit Sandrine, plus en 3D à un tamponnage par exemple. J'avais fait une carte l'été dernier, je crois, où j'avais rempli de Crystal Effect la découpe de croquis du jardin. Et du coup ça rendait super bien. Voilà. Par contre, le pinceau à paillettes, lui, c'est donc un pinceau et qui disperse très légèrement des paillettes un petit peu partout. Voilà. Voilà, voilà pour celui-ci. Allez, on passe donc à la deuxième question de la chasse au trésor. Préparez votre crayon et votre papier. Et on y va. Oups! Mon Dieu, vous avez failli voir les réponses. Deuxième question. Nommez le set de tampons qui a un rapport avec la musique. Nommez le set de tampons qui a un rapport avec la musique. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Excusez-moi. Oh zut, t'avais pas tes lunettes, c'est ballot, hein? Alors, on va partir maintenant sur une des grandes collections. C'est vrai que je ne vous en ai pas encore montré beaucoup, mais vous voyez, il y a tellement de petites pépites qui sont disséminées dans ce mini catalogue, comme le set qu'on vient de voir, Every Chapter. Voilà, on ne les voit pas forcément, et il y a vraiment des petites pépites qui se cachent, donc c'était aussi ça mon but, c'était de vous les faire découvrir. Mais il y a quand même des grandes collections qui sont magnifiques, et notamment une que je trouve vraiment très très belle, mais je sais que vous aussi, c'est la collection Symbole Porte Bonheur. Elle est incroyablement belle, vraiment trop belle. Comment veux-tu que l'on ne te demande pas de chanter Vous allez m'achever. Tissia, franchement, vous allez m'achever. Hein, c'est juste pas possible. Oh mon Dieu. Je vous jure, vous n'êtes pas croyable. Bon, alors, symbole porte bonheur. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Les créations ou les produits? Allez, on va faire le produit. Les créations. Donc ça, c'est un projet que j'avais proposé, il y en a qui vont le reconnaître, que j'avais proposé au Zoom mensuel de mon groupe des VIP, qui est un double cadre photo. Alors j'ai commandé mes photos, mais je les ai toujours pas reçues. Voilà, donc il est toujours vide. Donc on va pouvoir rentrer les photos ici. Voilà, ça c'est le projet que j'ai proposé fin janvier, pardon. À mes VIP, au groupe privé des VIP, donc simplement composé de mes clientes. Donc ça, c'était un projet qui était très sympa et donc ça vous permet de découvrir cette magnifique collection avec le magnifique papier. Oui, Marie-Dominique, c'est vrai qu'elle est vraiment exceptionnelle, celle-ci. Véronique, oui, elle te plaît aussi, hein. Ouais, elle est vraiment très belle, elle a des découpes incroyables. Le ruban en satin, là, il est non seulement... il est beau en soyeuse succulente, mais en plus, il est tellement agréable à toucher, il est tout doux. C'est un vrai bonheur. Bon, voilà, c'était un petit truc comme ça, j'ai des délires de temps en temps, mais il est vraiment trop beau. Des magnifiques découpes. On est sur Ardoise bourgeoise, Brune Dune, Corail Calypso, doré évidemment. Soyeuse succulente également. C'est beau, hein, vous imaginez ça posé. Hop, bientôt j'aurai les photos dedans, ça va être trop beau. Donc voilà, on peut faire plein de choses différentes. Et puis j'ai fait aussi des cartes. Hop, je vais vous montrer. Ici, c'est une carte que j'ai réalisée en créant encore une fois mon propre papier design parce que vraiment j'adore ça. Je prends autant de plaisir à créer mon papier design qu'à coloriser avec les blends. Voilà, c'est à peu près kiff kiff, mais c'est vraiment les deux choses qui me font le plus de bien. Et donc là, tout simplement, vous voyez, donc hop, que j'ai découpé tout simplement avec le doré. Voilà, tout simple. Une petite déco à l'intérieur, histoire de changer. Alors, une carte vraiment très très simple. Vous serez d'accord avec moi. Ensuite... une autre carte un petit peu plus élaborée, mais toujours pareil, en ayant fait le papier soi-même. Que j'aime cette collection de papier, c'est mon coup de cœur. Ah, Tissia, ça me fait plaisir. Rien de plus facile que de profiter de ces petits projets privilèges. Une toute petite commande et le tour est joué. Un groupe tellement sympa. Ouais, Sandrine, t'es vraiment trop mignonne. Moi, à force, tu vas finir par me faire rougir. Hein. Une deuxième carte, donc toujours, c'est le même papier design que j'ai créé, donc avec les tampons. Donc, trop trop beau, Corail Calypso, Ardoise bourgeoise, j'aime beaucoup. J'ai rajouté quelques petites choses bien sûr. Donc le papier design à l'arrière, le papier Corail Calypso qui est donc un petit peu gaufré avec le pierre de gaufrage feuillage. Voilà, histoire qu'il ne soit pas tout lisse. La grue qui est juste trop belle. Le sentiment... toujours qui est dans Précieux Instant. C'est un set de tampons Celebration. Voilà. Embossé avec la poudre dorée. Tout simplement. Et mes découpes de feuillage ici dans le soyeuse succulente. Évidemment, des petits joyaux dorés pour faire ressortir un petit peu plus tout ça. Et c'est parti. Voilà. Oui, on peut faire plein de choses, hein. Donc là, c'était surtout donc le tamponnage. Avec le double cadre, je vous ai montré, bien sûr, le papier design. Et on va rester dans le papier. Je n'étais pas super fan sur le catalogue, mais là, effectivement, mis en avant, il est superbe. Oui, et j'ai eu la même problématique, Pascal. Exactement. Il faut faire les yeux doux au banquier. Oui, ou alors il faut rejoindre mon équipe. Véronique, deviens ma filleule. Et du coup... tu auras 20% de réduction à chacune de tes commandes. Ça, c'est pas négligeable. Et puis après, tu peux les réinvestir pour passer d'autres commandes. La solution, elle est là. Faire les yeux doux au banquier, ça sert à rien. Ils s'en fichent, ils écoutent à rien. Alors, hop, voici une autre carte qui fait jouer la superposition. Ça aussi, ça sera probablement l'objet d'un futur live. Une carte très simple, mais originale, je trouve. Toujours avec le papier design, la création du papier design, voilà, mise en valeur par le magnifique papier doré pour le matage, tout simple. Un petit peu de ficelle, un beau message et le tour est joué. Hop. Et à l'intérieur, pour décorer encore plus, j'ai redécoupé donc la grue que j'ai mise ici, le papier design, du papier blanc et pouf, c'est bon. On a une belle carte. Et pour finir, une dernière création. Ça, c'est une carte que vous aimez beaucoup, beaucoup. Je le sais. D'ailleurs, elle sera, elle aussi, l'objet d'un live. Toute simple, que j'adore. Voilà. Elle s'ouvre et laisse découvrir une petite libellule ici. Oh, ton papier est tellement joli qu'on pourrait le faire partie de la collection. Non, 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 non. C'est trop ça. Moi, j'ai pas ce talent-là. Tout simplement, voilà. Décoré pour l'intérieur. Et là, pareil, on a ces superbes découpes qui sont juste trop belles. Le tamponnage ici. Là, pareil, les libellules sont embossées avec la poudre dorée. Je voudrais le zoomer encore plus, mais voilà. Le sentiment également. Le ruban soyeuse succulente aussi. Laurence, ça c'est vraiment trop le gentil. Tes fonds de page me plaisent, maison me plaisent encore plus que le papier design. Incroyable. Merci beaucoup. Oui, ce style de carte, il est tout bête, mais du coup, c'est pareil, j'en suis fan aussi en ce moment. Donc ça fera l'objet d'un live, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je me suis amusée à customiser, bien sûr, mon enveloppe. Hop, avec le papier design. Souvenez-vous, hein, 16 par 6, le morceau de papier pour l'arrière de notre enveloppe. Voilà pour cette belle collection. J'espère que ces créations vous plaisent et vous ont inspiré, vous ont aidé à voir différemment cette collection. Vous la faites peut-être découvrir, que vous ne l'aviez pas forcément vue précédemment. Donc, pour ce qui est des produits, donc le papier en détail, il est ici. Voilà, on est sur du papier 30-30. Le lot de papier est à 18 €. C'est du papier incroyablement beau. Ici, vous le voyez en recto verso à chaque fois. Pour les couleurs, je vous les ai données déjà. De rien, Pascal. Avec plaisir. Merci, ma Fabienne. Magnifique, dit-elle. Elle est trop mignonne. Donc, voilà pour le papier design. Je vous laisse ici. Le set de tampons grue porte bonheur. Qui est vraiment très, très beau. Accompagné, bah vous l'avez remarqué, hein, de toutes les découpes. Attention, la feuille aimantée ne fait pas partie hein, du poinçon. Donc là, on a des coupes de la grosse fleur, ces jolis feuillages, la grue, les libellules. C'est trop beau. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous les entendez, mais j'ai des grues qui, en ce moment même, passent au-dessus de chez moi. C'est énorme. Coucou Isabelle, merci beaucoup. Ah, il y en a beaucoup encore. Donc voilà, et le fameux ruban dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc le ruban soyeuse succulente, et c'est un vrai bonheur. Il glisse tout seul, il est tout doux, c'est trop bien. Non, non, je ne suis pas folle, ne vous inquiétez pas. Mais vous admettrez que c'est agréable d'avoir du ruban qui est agréable au toucher. Voilà pour cette collection Symbole Porte Bonheur. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas que vous aurez pris du plaisir à la découvrir. On continue. On continue avec une collection. Il y en a plein parmi vous qui la connaissent, qui l'ont déjà vue, c'est évident. On parle cette fois de la collection Bien Chez Soi. À ce propos, où trouves-tu tes feuilles aimantées? Amazon. À mon grand regret, Amazon. Voilà. Alors, la collection Bien Chez Soi, qui est vraiment très jolie, très douce, que je vais prendre le temps de travailler tranquillement. Mais déjà, vous découvrez dans un premier temps les papiers. Ils sont trop beaux, hein. On a des arrière-plans qui sont juste magnifiques. Recto verso à chaque fois, donc vous pouvez voir hein, toutes les parties ici. Même principe, on peut s'amuser à les coloriser, par exemple. T'inquiète, si t'es folle, on l'est tout autant que toi. Bon, ça me rassure. De rien, Laurence. Drin Drin, t'abuses, hein. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Vraiment des couleurs très jolies. Attention, vous voyez, on a le cidre à la cannelle dont je vous parlais tout à l'heure, Mystérieuse brume. Ces deux couleurs disparaissent dans quelques semaines, donc ne tardez pas à vous les procurer. Oh, tout ce que tu présentes est sublime. Merci Marie. Heureusement que je me suis habillée en rouge, hein, parce qu'on va dire que c'est ça qui... qui fait que j'ai les joues rouges. Très joli papier, on est... Bien sûr, là, cette fois, on a le papier qui est accompagné de l'eau, tampon, poinçon. Voici le premier. Donc là, je vous ai embossé en blanc pour que ça ressorte un petit peu plus. Vous avez toutes les découpes ici qui apparaissent, tout ce qui vous est possible de faire. Donc là, hop, la découpe contour uniquement. Et puis tous ces beaux feuillages là qui sont juste magnifiques. Oui, il y en a beaucoup sur lesquels tu craques. Mais ça ne m'étonne pas que celle-ci te plaise parce qu'elle se rapproche quand même un petit peu de croquis du jardin. Donc c'est pas étonnant. Des jolis sentiments. Ensemble, nous franchirons les obstacles de la vie. Une belle journée pour fêter l'amour. Merci de me montrer l'exemple. Que ce jour de fête soit parfait, rien de moins. Tu es une perle rare et un précieux trésor. Il y en a plusieurs à qui je pourrais envoyer ce message, c'est certain. Et le deuxième lot, c'est ici. Donc on a beaucoup de petites abeilles qui sont trop mignonnes. Je vais essayer de vous les rapprocher pour que vous voyez un petit peu plus, mais je suis pas sûre que ça le fasse. Je vous montrerai le 7. Ah. Vous voyez, il y a beaucoup de détails. Il faut juste le temps que le zoom se fasse. Voilà, on a ici. Ça le fait. C'est beau, hein? Là, elle est plus sur le côté. Voilà, et on a ces belles fleurs aussi ici. Des beaux sentiments, notre famille est si précieuse, parfait pour les albums notamment. Moi j'assume, elle était déjà bien installée la folie. ouais, c'est contagieux, c'est clair. Reste comme tu es, belle complicité, quelle bonne nouvelle. Voilà, on peut jouer entre cartes, carterie ou album. Ça c'est vraiment un set hyper complet. Donc c'est vraiment très pratique. Si vous voyez ici, ce sont des découpes. Et là, les découpes également, mais contours qui vont donc avec les tampons. Donc, je vous les montre. Et oui, le printemps ne devrait pas tarder. Donc on a hâte de le voir arriver, c'est certain. Donc voici pour le lot bienfait réconfortant. Pardon. Donc là, vous voyez... toutes les fameuses découpes que vous avez vues en réel sur ma présentation. Ici, les tampons, ils sont vraiment trop beaux, hein. Il y a vraiment plein de choses à faire avec. Et le second lot, donc je vais vous le remettre ici. Hop, tac. Donc, au goût de miel, c'est celui-ci. Donc, vous voyez... très joli, vraiment très fin. Pareil, vous avez les découpes qui se présentent comme ceci en caoutchouc. Voilà. Pour ce qui est des créations, il est sur ta liste. Oh, j'ai peur de voir ta liste, Ticia. J'ai très peur de découvrir ta wishlist, ma belle. Pour ce qui est des créations, en fait, ça, c'est des créations qu'on nous avait proposées lors d'une convention. Vous savez, plusieurs fois par an, on a la possibilité, la chance de se retrouver avec, avec nos collègues démonstratrices et démonstrateurs en Europe et aussi au-delà des frontières, aux États-Unis. Et du coup, on a découvert ces créations à l'occasion de On Stage au mois de novembre. Drin, ne m'envoie pas sur ce chemin-là parce que sinon ça va pas, je vais être mal. Tu vas comprendre. Marie, arrête, la liste s'allonge. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Coucou ma Cathy, plein de gros bisous ma bichette. Bon courage Laurence, je pense fort à toi ma belle, tu verras la fin, t'en fais pas. Alors, hop, chaque chose en son temps, Cidre à la cannelle, qui est très bien mise en valeur ici, je trouve. Voilà, on a le tamponnage, ici en cidre à la cannelle, Attendez, hein. Bien mise en valeur par les jolies découpes en Frésia en fleurs et Juste Jade et également Cidre à la cannelle ici. Le sentiment en Mystérieuse brume, on est vraiment dans les Incolor 2022 qui vont partir. Attention, c'est le moment, hein. Attention. Donc une carte toute simple, un petit format un petit peu plus petit, il va falloir que je fasse une pause je crois. Le papier design à l'arrière. Ici, le papier n'est pas blanc, mais c'est le papier très vanille, qui est vraiment très joli. Donc, une petite cartoonette toute simple. Encore plus simple, c'est celle-ci. Donc là, on est en format un petit peu plus grand. Mais là, vraiment, on a une mise en valeur de la découpe qui est magnifique. La colorisation ici est faite avec les doigts éponges, tout simplement, trempés dans les pattes d'encre. Et on y va par petites touches. Là aussi, ça nous permet de faire une colorisation avec différentes couleurs. Le ruban jean juste en dessous, la petite étiquette, les embellissements, le magnifique papier design et le tour est joué. Voilà, quelque chose de vraiment, vous voyez, très très simple, mais une belle mise en valeur de cette découpe qui est incroyable. Et pour finir, on est sur du Frésia en fleurs, là pareil, très simple, mise en valeur du papier design. Et ici, chose qu'on pense très rarement, troisième alarme, qu'on pense très rarement à faire, c'est d'utiliser notre papier design quand c'est possible pour aller mettre nos sentiments, tout simplement. Et c'est ici ce qui a été fait, ce que j'ai réalisé donc, en tamponnant donc le sentiment directement sur le verso du papier design. Ici vous remarquerez la superbe découpe donc qui peut être mise à l'horizontale ou à la verticale selon vos choix et les belles petites fleurs en Frésia en fleurs. Voilà pour ces petites créations. Alors comme l'a plus ou moins suggéré Drin oui, effectivement, avec ce projet, avec cette collection, pardon, il y a un projet qui est en cours, mais qui est né à cette heure, pas encore tout à fait terminé. Je vais juste vous en montrer un aperçu pour quelque chose qui aura lieu très probablement au mois de mars, mais voilà, pour des raisons personnelles et médicales, j'attends quelques réponses pour pouvoir fixer la date précisément. Toujours est-il que ce qui est en préparation, c'est ça, mais il n'est pas terminé. Voilà, voilà. Je vous en montrerai pas plus, parce que ce serait tricher, mais restez à l'écoute, vous aurez des infos très prochainement à ce sujet. Alors, ensuite, eh bien, nous allons passer à la troisième question de la chasse au trésor. Attention, il y a plusieurs réponses à donner. Oui, ma Cathy, c'est ça. Alors, notez bien la troisième question. Citez 3 sets de tampons qui ont le mot kind, K-I-N-D, qui veut dire en gros genre en anglais, kind ou genre en anglais, en français ou sous n'importe quelle autre forme dans le catalogue. Je répète, dans le catalogue, il y a des sets de tampons, des collections, où le mot anglais kind, K-I-N-D, ou le mot genre, G-E-N-R-E, apparaissent. Je vous demande donc de me citer sets de tampons, collections, lot complet, Voilà, avec ce mot, sous n'importe quelle forme. Que ce soit un jeu de mots, que ce soit une découpe, que ce soit un set de tampons, que ce soit un sentiment, que ce soit dans un papier design, que sais-je encore. Voilà, trouvez-moi. Sauf que là, j'ai dit 3 sets de tampons. Alors, je persiste, 3 sets de tampons. Ces mots-là existent, ils y sont. Vous allez trouver 3 sets de tampons avec le mot kind, K-I-N-D, ou le mot genre, G-E-N-R-E, qui est la traduction de kind. Donc que ce soit en anglais ou en français, 3 sets de tampons avec ce mot à l'intérieur. C'est bon, c'est clair pour vous? Ça va le faire. Allez, on continue. Il nous reste encore pas mal de questions. Si j'ai pas le temps de tout vous donner d'ici la fin, eh bien, je vous les donnerai d'un seul coup, juste à la fin du live, pour ne pas vous retenir trop longtemps. Et je viens de comprendre à l'instant pourquoi est-ce que ça ne colle pas dans mon timing alors que ça collait la dernière fois. Tout simplement parce que la dernière fois, je vous donnais les questions par 2. Et le bin, il est là. C'est bizarre, ça tient pas. Hein. C'est pas possible, ça tient pas. Ça tient pas. Mais oui, je vous donnais les questions par 2. Alors, sachant que nous venons d'en faire 3, je vais tout de suite vous donner 3 autres questions. On fait une petite pause comme ça, d'accord? Avec ce qui me reste à vous présenter, on va être dans le timing. Donc, je viens de vous poser les 3 premières questions. Là, tout de suite, je vais vous en poser 3 autres. D'accord? Bien sûr, vous pourrez faire le replay, vous pourrez mettre pause pour avoir le temps de noter les questions, etc. Donc, pas de panique. De toute façon, j'ai pris le temps de les citer à chaque fois, tranquillement, et de les répéter. Donc, ça ne sera pas un problème. En même temps, ça vaut le coup de faire attention, puisque du coup vous serez 2 gagnantes pour cette chasse au trésor avec le set de tampons Calme de Camélia. Vous voyez, donc vous le voyez là, ici. Et du coup, il y a 2 personnes qui auront la chance de le gagner. Donc ça vaut le coup d'être attentif et de noter les questions. Alors, nous passons à la question numéro 4. C'est parti, question numéro 4. Facile. Nommez au moins un set de tampons ayant le mot bonheur. Elle est cadeau celle-là. Nommez au moins un set de tampons ayant le mot bonheur. Facile. On est d'accord. Question numéro 5. Écoutez bien. Question numéro 5. Nommez au moins un set de tampons dans lequel on voit voler quelque chose avec une ficelle. Ça vous paraît compliqué là comme ça, mais écoutez bien, vous allez voir, vous allez l'imaginer dans votre tête. Nommez au moins un set de tampons dans lesquels ou lequel on voit voler quelque chose avec une ficelle. J'ai plus un seul commentaire, je crois que tout le monde est en train de noter les questions. J'adore. Je répète, la 5e question. Nommez au moins un set de tampons dans lesquels on voit dans lequel on voit voler quelque chose avec une ficelle. Ah oui, c'est facile. Mais si, tu vas voir, c'est facile. C'est super facile. Feuillette ton catalogue, tu vas voir ma biche. 6e question. Attention, on y va. 6e question. Oui, vous êtes très studieuse, Pascal, j'adore. Mais je sais que ce set de tampons, mon Calme de Camélia, vous plaît. Donc si, ça se mérite. Hein. On se croirait au bac, tu m'étonnes. C'est exactement ça, Ticia. Alors, citez. On part sur la question 6, hein, attention. Citez 2 sets de tampons dans lesquels on peut voir des livres. Mais j'en veux 2, hein. Il y en a un, vous l'avez tout de suite, mais j'en veux 2. Citez 2 sets de tampons dans lesquels on peut voir des livres. Gros bisous, ma Cathy. A plus, ma biche. 2 sets de tampons dans lesquels on peut voir des livres. J'ai envie de vous dire, ça devrait le faire. Ça marche? Ok, bon. Alors vous n'aurez plus qu'à prendre quelques minutes après, dans les jours qui viennent, pour répondre tranquillement aux questions, feuilleter votre catalogue pour découvrir, partir à la découverte de ces petits trucs que vous n'avez pas vus encore. Et regardez, il y en a qui ont le catalogue depuis début janvier et qui n'avaient pas encore tout vu. Et ça, j'adore l'idée de pouvoir vous faire découvrir encore des petites choses, même un mois et demi après la sortie du catalogue. Vu l'interrogation écrite, ça donne envie de fuir. Ok, on continue parce que du coup dans 10 minutes, 12 minutes, il y aura les questions 7 et 8. Donc on essaye d'avancer. Il me reste quelques projets à vous montrer. On est parti. Quelque chose de très simple mais que je vous ai déjà montré la dernière fois, mais pas cette création-là. Donc ça, ça va être très vite. Celui-ci, Amitié Pascal, vous l'avez découvert l'autre jour, je l'ai même fait en live, etc. On compte pas les fautes ni les ratures. Non, non, pas de problème Isabelle. De toute façon, il faudra me les renvoyer par mail. Donc ça sera probablement tapé à l'ordinateur. Donc il y a un peu de souci, votre brouillon, vous en faites ce que vous voulez. Et donc cette petite carte, je ne vous l'avais pas montrée, elle est toute simple, avec chat en fleurs ici, en papier design, et tarte au potiron, voilà. Tout simple, hein, vraiment tout simple. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de très simple, mais vraiment de très joli. Donc, ça me paraissait important de vous le remontrer. Un bout de papier design à l'intérieur. Et tip top, c'est parti. On a une belle carte toute simple quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est l'idéal parce que du coup, le petit lapinou, là, il suffit à lui-même. Hein, on est d'accord? On peut tout à fait s'amuser, bien sûr, à le transformer, à le coloriser, à faire tout ce qu'on veut avec, mais... rien que comme ça, il est juste splendide en fait. Donc, ça valait le coup de le souligner. Et donc, la carte, on l'avait faite en live ensemble, hein, vous vous souvenez. Voilà, avec le papier coucou amical de la Celebration. Donc, dispo jusqu'au 28, n'oubliez pas. Voilà, vous avez le petit caneton là. Oh, il est trop mignon, il est tout joyeux, j'adore. Le petit poussin. Donc, pareil, hein, ils suffisent à eux-mêmes. Donc, c'est juste trop mignon. Ensuite... hop. Donc j'ai une cliente qui a un petit peu galéré avec ça, du coup je vais vous le remontrer celui-ci, enfin vous le remontrer, on vous le présenter et vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Alors il s'agit du lot Daffodil Daydream. Bon, on n'a que deux sentiments en anglais donc hein. Et puis en même temps Happy Mother's Day, franchement c'est pas bien compliqué, on est d'accord. C'est pas compliqué du tout. Mais quand même, on a ces fleurs qui sont juste magnifiques, on est d'accord. Et qui normalement ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez dans notre jardin. Et ça, c'est plutôt bon signe. On va bientôt les voir. Peut-être que par chez vous, il y en a qui sont déjà sortis d'ailleurs. Moi, pas encore tout à fait, mais ça ne saurait tarder. Puis on a un joli papillon. Et ce qui est top, c'est qu'on a toutes les découpes qui vont avec. Et ça, c'est incroyable. Parce que vous voyez, il est où? Ce petit papillon-là. On a bien sûr la découpe avec. Et on a de quoi monter des fleurs incroyablement belles. Vraiment trop belles, vous allez voir. Alors, dans un premier temps, je vous présente une carte. Ici, j'ai utilisé le papier Beauté marbré que je me suis amusée à coloriser. Il est sublime, il me fait peur. Pourquoi il te fait peur? Le petit lapinou, il te fait peur? Oh bah zut alors. Non bah laisse tomber alors. Donc j'ai tamponné le papier Beauté marbré. C'est le verso du papier qui est toujours aussi joli. Donc j'ai tamponné nos belles fleurs dessus en tellement safran. C'est la couleur du papier tout simplement pour le customiser un petit peu. Les petits papillons colorisés au blends, le souhait, et puis la découpe contour des fleurs. Ah, les jonquilles, il te fait peur? Non, tu vas voir, je vais te montrer. T'as changé d'avis? Bon, bah super, alors. J'aime bien l'idée, moi, de réussir à vous faire changer d'avis. Donc ça, pour la découpe contour. Et... pour le montage de toutes ces jonquilles, regardez ce que ça peut donner. Donc pour le papier design, je bug encore avec les pensées. Oh bah zut alors, je verrai si j'ai pas fait une présentation comme celle que j'ai faite pour les jonquilles et puis je te l'enverrai. Ici on a Beauté marbrée, voilà, toujours avec le tamponnage des jonquilles en arrière-plan pour customiser le papier, j'adore. Ok, et on a, voilà, ces magnifiques jonquilles en plusieurs étapes. Alors c'est vrai que quand on arrive pour soi ça, tel quel, j'avoue qu'on puisse être déconcerté et de se dire ok, eh bien il ne va pas servir beaucoup. Et si. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait une petite présentation pour vous montrer. Tout simplement, regardez, je vous ai affiché les différentes étapes . On part du haut vers le bas. Voilà, c'est tout bête. Et ensuite, on se sert bien sûr des modèles qu'on voit un petit peu partout, mais surtout on se fait plaisir et on se fait confiance. Voilà, donc vous avez les différentes pétales, etc. Donc pour l'arrière, ici pour rehausser un petit peu chacune de ces fleurs. D'accord? Et voilà comment se fait le montage. Vous avez la première ligne qui va avec la deuxième, etc. C'est Narcisse Délie, c'est Corail Calypso. Non, ici c'est Papaye Pâle. Et là, oui, par contre, c'est Corail Calypso, Martine. Alors, Ticia, maintenant que tu vois ça, est-ce que ça t'aide? Bon, il faut prendre le temps de l'étudier, etc. Hein, mais voilà, donc c'est un lot complet, tampon, poinçon. Et donc au final, voilà ce que ces jonquilles donnent. Et effectivement, mais c'est aussi à ça que je sers. Voyez-vous? C'est ce qui fait partie de mon métier. C'est aussi pour ça que j'aime ça. C'est parce que du coup, on peut échanger. Je peux vous aider. D'accord? C'est aussi le but de mon métier. C'est de pouvoir vous apprendre à utiliser les produits, à savoir comment les monter, comment les mettre en valeur. C'est voilà, c'est aussi à ça que je sers et c'est un vrai plaisir de pouvoir le faire. Voilà, est-ce que ça vous aide? Alors, s'il y en a qui, qui commandent évidemment ces produits, n'hésitez pas à me demander la présentation, je vous y aiderai, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà pour ce lot. Il est top, hein? Il est vraiment top. Ça me donne envie de me lancer, mais je serai capable... Oui, tu seras capable, tu vois, t'as voulu mettre pas, et bah tu l'as pas mis. Martine, t'as galéré, mais fallait me demander, Martine, voyons quelle idée. Faut pas rester bloqué alors que vous avez quelqu'un sous la main qui peut vous répondre. Je sers à ça aussi. Évidemment, pas à 23h, les amis. Hein, je vous aime fort, mais non, ça va pas être possible. Mais le reste du temps, je suis là pour ça. Donc demandez-moi. C'est ce que une autre de mes clientes, Evelyne, a fait. Elle dit, j'y arrive pas avec les jonquilles, galère. Voilà, je vais envoyer la présentation, tout simplement. Donc, en gros, il faut faire les découpes sous plusieurs couleurs et l'on fait des montagnes après. Muriel, oui, oui, c'est ça. Alors, les plusieurs couleurs, oui, plus clair, plus foncé, mais en même temps, libre à toi, si tu veux garder les mêmes couleurs. Tu peux aussi les découper toutes en blanc et t'amuser à les coloriser aussi. Ça aussi, c'est possible. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai encore deux petites choses à vous montrer, d'accord? Je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas en capacité de vous montrer l'intégralité du contenu du mini-catalogue, ce serait juste démentiel, hein, et sans grand intérêt, on est bien d'accord, hein. Je vais vous montrer deux ou trois petits coups de cœur, je vais essayer d'être assez rapide pour ne pas vous faire perdre trop de temps, d'accord? Et puis je voudrais pas que vous vous ennuyiez non plus, hein, et puis vous perdre en cours de route. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Il me reste trois choses à vous montrer. Presque des coups de cœur pour tous. Allez, quelque chose de très simple, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ce sont les kits. Et alors, je n'ai pas encore le kit du cadre magnétique, puisque je suis comme vous, je n'ai pu le commander qu'aujourd'hui, d'accord? Donc, je ne l'ai pas encore. C'est tout bête, hein? C'est tout bête. Mais ça, je vous le montre, du coup, c'est un kit qui est dispo depuis aujourd'hui. Vous avez sa référence et son prix. Il y a tout dedans, hein. Il y a le cadre, il y a les pinces, il y a les pochettes. Du coup, vous pouvez customiser votre cadre à loisir. Vous pourrez modifier si vous le souhaitez. C'est un kit hyper complet qui est super original. J'ai pas hésité à le commander du tout. Par contre, sincèrement, il va énormément plaire aux démos et à toutes les scrapeuses parce qu'il a diverses... Non, non, nous sommes toujours là. En plus, bouche bée. Merci Laurence. Pascal, hâte de le commander. Oui, il faut pas traîner parce qu'il va partir vitesse grand V. C'est vraiment jusqu'à épuisement des stocks. Et là, c'est un kit dans lequel il y a les trois langues en même temps. D'accord? Donc tout le monde va commander le même. Donc ne tardez pas à le commander si vraiment il vous plaît pour qu'il ne vous passe pas sous le nez. C'est arrivé à certaines de mes clientes sur d'autres kits qui n'ont pas été assez rapides, qui ont trop longtemps hésité. Du coup, il y en a qu'elles aimaient beaucoup et qu'elles n'ont pas pu avoir dans les temps. Voilà, donc vraiment s'il vous plaît celui-là, foncez, foncez, ne tardez pas. Vous avez la référence et le prix à l'image. Et l'autre kit qui est toujours dispo en ce moment est en français et ça c'est top. Où se trouve le papier qui va avec les jonquilles? Véronique, le papier qui va avec les jonquilles, c'est le papier Beauté marbré qui est offert des 60 € d'achat, mais uniquement jusqu'au 28 février. Beauté marbré, il s'appelle. Ça marche Véronique? Et donc je vous disais, dans les kits, on en a un qui est toujours dispo en ce moment. Je me suis amusée à le monter hier, ça m'a fait du bien. Il est vraiment trop sympa, c'est le kit anniversaire Allumons les bougies. Donc voilà tout ce que vous avez dedans. Des embellissements, des tampons réutilisables, si je le mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Que vous pouvez garder en stock et les réutiliser après sans aucun souci. D'ailleurs, moi j'en ai gardé des précédents et ils me sont bien pratiques. Vous avez, hop, un bloc acrylique, des bandes de mousse 3D, un spot Copacabana qui est trop beau. Voilà, vous avez bien sûr à l'intérieur, j'arrive pas à sortir, ah, ça sera pour les prochaines questions, tout le fascicule avec tout le détail de comment monter chacune des cartes. Mais alors c'est vraiment détaillé, hein. Vous avez toutes les étapes, c'est juste magique pour savoir exactement comment monter ces magnifiques cartes. Et ce que je n'avais pas vu avant de l'avoir entre les mains, eh bien c'est que, regardez, cette partie-là, donc on le colle hein, en 3D, vous voyez, eh bien les parts de gâteau là, qui sont déjà sur une feuille intégrée, c'est du papier pailleté, regardez, c'est trop beau, c'est pailleté en fait, c'est super joli. Donc on a de quoi faire 8 cartes, donc dans les tops là, comme ça, et l'autre est comme ça, c'est trop beau. Et là c'est pareil, c'est déjà pailleté à l'intérieur. C'est super joli. Gros bisous Marie, merci d'avoir été là ma belle. Voilà, c'est trop beau hein, c'est vraiment trop beau. Donc là vous avez tout ce qu'il faut dedans, il n'y a besoin de rien rajouter. Je suis en train de réfléchir si je vous dis pas de bêtises, non, même pas de ciseaux, ni quoi que ce soit, tout est dedans pour le faire. 23 €, hein. Ça va. Et on a bien sûr les enveloppes coordonnées aux cartes, toc, qui sont aussi très jolies, j'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà, ça valait le coup quand même, parce que c'est des belles découvertes ces kits-là. Donc c'est pareil, tous les kits sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Donc si vous avez un petit coup de cœur, n'hésitez pas. Alors, il est temps de passer aux deux autres. C'est rien, c'est mon crayon. Aux deux autres questions. Coucou Stéphanie. Tu regarderas en replay, il est beau ce kit. Oui, allumons les bougies, il est très beau et il est encore disponible un petit peu là en français. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, question numéro 7 pour la deuxième chasse au trésor. De rien Véronique. Question numéro 7. Dans quel set voit-on des cailles? Dans quel set voyons des cailles? Voit-on? Dans quel set voit-on des cailles? Ok. Question 8, les cadeaux. elle est cadeau puisque il n'y a pas d'erreur possible. Vous allez voir pourquoi. Dans les pages 76 à 83. Dans les pages 76 à 83. Vous découvrez les lots tampons poinçons, comme ce qu'on a vu là ensemble sur les jonquilles. On a les lots tampons poinçons. Ok. Dans ces pages-là, je voudrais juste connaître votre lot préféré. Voilà, question facile, d'accord, pas de piège, pas de mauvaise réponse possible. Simplement, dans les lots où vous avez tampon poinçon, lequel est votre préféré? Ça va, hein? Ça va aller? C'était une petite question bonus cadeau. Alors, on arrive bientôt à la fin de ces portes ouvertes virtuelles. J'espère que vous ne vous ennuyez pas, que vous passez toujours un bon moment, que je ne suis pas trop barbante et que vous en prenez toujours plein les yeux et que vous prenez toujours du plaisir, surtout parce que c'est vraiment ce qui m'importe le plus. Cadeau d'anniversaire. Ah oui, au moins sûr d'avoir 1 sur 10. Fabienne, c'est dans les... Cadeau. Pourquoi tu mets cadeau d'anniversaire, ma Fabienne? Pas dans les commentaires, on met pas les réponses dans les commentaires. La question 3 n'est pas facile. Ah oui, mais et il se mérite hein, quand même. Hein. Calme de Camélia, il se mérite. Ok, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai encore deux choses. Allez, pareil. Un lot. Ah, tu réfléchis. D'accord. Un lot qui va beaucoup plaire, notamment aux enfants, mais peut-être aussi aux gourmands. K-I-N-D, Marotine. Pas King, le roi, mais kind. K-I-N-D. Ou genre, G-E-N-R-E. C'est moi qui dois réfléchir à mon cadeau d'anniversaire? Ah bon? Pourquoi? Oh, tu m'as perturbée, Fabienne. Oui, donc je disais un lot qui va plaire aux gourmands et aux enfants aussi. Qui n'est autre que celui-ci. Né le 18 février, Camélia me plaît. Ah oui, mais là pour les anniversaires, ça va pas être possible, Chantal. Pas pour celui-là, je suis désolée. Non, j'ai pas capté, Fabienne, je suis désolée, ma belle. Je suis vraiment désolée. Tu me l'envoies après, s'il te plaît? Alors, il y a 8 ou 10 questions. Il y a 10 questions, il en reste 2, Francine. Encore 2, un petit peu de patience. On a presque terminé. Donc, ce lot de la machine à bonbons, il est trop cool. Il est trop cool. Alors, on a tout ça. C'est quand même sympa. Attendez, bougez pas. Hop, voilà. Et on a bien sûr les découpes pour créer la machine en elle-même. Et ils ont vraiment pensé à tout. Hein, parce que ça, c'est vraiment... C'est vraiment une découpe, hein, je vous jure. Donc là, on y va à la pince à épiler. Je parle en connaissance de cause. On a celle-ci, cette découpe-là, qui est magnifique. Elle est incroyable. Vraiment trop belle. On a les petits cœurs, bien sûr. On a le chapeau, ici. Là, pour faire des petits confettis. Tu peux répondre à Laetitia. Qu'est-ce qu'elle a dit, Laetitia? Le 3, c'est calme. Ça peut être allongé, Laetitia. Et donc, la petite carte. La voici. Là, on régresse, hein. C'est trop bien. Là, on retombe en enfance, les amis. Et il y a vraiment les moindres détails. Donc le petit bout là, la petite découpe que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une découpe. Et ben ça en est vraiment une. Elle se colle au-dessus ici. C'est juste incroyable. Ils ont pensé à tout. on a les magnifiques billes givrées, avec lesquelles, je ne vous cache pas, je me suis beaucoup amusée à préparer les échantillons, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je crois qu'il y a un bug de réseau. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ah, c'est bon. Le fond est avec le pochoir. Non, ma bichette, le fond n'est pas avec le pochoir. Le fond est en fait avec le papier jeu de motifs qui est à la fin du catalogue annuel, tout simplement. Et là, il y en a des tas de papiers. Donc, bien sûr, il y a les boules ici. Et regardez les détails. Il y a même la petite fente ici pour rentrer la pièce ici. Ici, on a le petit mécanisme pour tourner. C'est juste incroyable. Hop. Et ici, ça s'ouvre même. Donc on peut s'amuser à faire un trou à l'arrière et mettre des petits bonbons pour que ça fasse le vrai distributeur. On régresse, on retombe en enfance directe. Petite déco toute simple à l'intérieur. Et voilà. On est d'accord? C'est magique. C'est vraiment magique. Vous entendez le bruit des petites billes? Donc on a bien sûr les billes givrées qui vont avec. De rien de ça. Et puis donc les dômes à secouer, machine, boule de gomme. Voilà, c'est vendu par paquet de 10. Hop, qui sont vendus avec tout ça pour faire des superbes card checkers. Donc là, je suis vraiment partie dans quelque chose de très basique pour que vous ayez une idée, voilà, vraiment au minimum de ce que vous pouvez en faire, mais bien sûr, comme d'habitude, les possibilités sont très très vastes. Alors, vous avez déjà vu, voire probablement sur les réseaux ou sur Pinterest par exemple, des créations juste incroyables avec par exemple des vrais M&M's notamment. Enfin bon voilà, plein de choses magnifiques que vous pouvez réaliser avec ce set là, mais vous pouvez aussi vous amuser à l'intérieur à mettre des petits cœurs par exemple. Hein, vous pouvez la transformer pour plein de choses. Muriel, oui, on retombe en enfance, ça c'est clair. On arrive bientôt à la fin. Je vais vous montrer une dernière collection qui est clairement mon coup de cœur du début d'année, que vous avez peut-être pu apercevoir si vous aviez reçu récemment ma newsletter. Grâce à mon métier de démo, moi qui suis passionnée de carterie, d'albums, de Stampin' Up, et c'est pour ça que je suis devenue démo, nous avons la chance d'avoir accès à des collections en avant-première. Mais ce qui est top, c'est que vous pouvez vous aussi bénéficier de ça en rejoignant mon équipe. Si vous rejoignez mon équipe là tout de suite, vous allez pouvoir vous offrir dans votre kit de démarrage cette collection que je vais vous montrer. J'en suis red dingue, mais clairement, j'ai dû m'arrêter de faire des créations avec parce que j'avais plus le temps, mais vraiment j'aurais pu continuer beaucoup plus longtemps. Et je réalise qu'il me manque un papier que je n'ai pas sorti, que je vais attraper tout de suite pour vous le montrer, mais c'est juste incroyable. Bougez pas, je vais juste sortir. Hop. Ça. Hop. Parce que vraiment, ça vaut son pesant. Je croyais que je l'avais là, mais... Ah, il est là. Alors, hop. Il s'agit d'une collection que vous pourrez voir très bientôt. Donc, en tant que cliente, elle sera disponible début mars. Mais si vous rejoignez mon équipe, là, tout de suite, là, vous pourrez l'acheter tout de suite. Elle s'appelle Vague d'océan. Regardez-moi ce papier, comme il est juste à tomber par terre. Je craque complètement. Cette collection, elle est accompagnée d'un papier de spécialité, du papier brillant, qui est juste magique et coordonné bien sûr avec ce splendide papier design. Vous allez me voir là, coucou, tellement ça brille. Voilà les papiers de spécialité. Ça se passe de commentaires, je crois, en fait. C'est... je craque. Je craque complètement. Littéralement. L'association du papier design et des papiers spécialité. Ces bleus sont juste incroyables. Croisière, oui Fabienne, t'as tout compris. C'est extraordinaire. Vraiment. Qui dit collection ? 17 de tampons et poinçons. Eh bien, on en a. Voilà le set de tampons qui est juste incroyablement beau. Non mais sérieusement. Regardez ça. Cette vague, elle est juste incroyable. Faut pas que je me trompe en fait. Les sentiments sont magnifiques. Notre amitié est de toute beauté. Tu es absolument extraordinaire. Joyeux anniversaire. Et ta force est une inspiration. C'est beau, Martine. Ouais. Hein. Et on a les découpes avec. Je vous jure, on a les découpes pour la vague. Regardez-moi ça. Comme c'est trop beau. J'ai pas résisté. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai pas pu faire autrement. Je l'ai commandé direct. C'est juste magique. Donc on a les vagues. On a différentes sortes de vagues. D'accord, ça se termine différemment ici. Et là, vous voyez, on a des étiquettes, on a les nuages, bien sûr. Je crois que je craquerai. Martine, ça m'étonne pas. Elle est trop belle, ça donne envie de faire un plongeon. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Carrément. Ça fait vraiment rêver. Donc, je vais vous montrer les quelques cartes que j'ai faites avec. Mais je vous dis, hein, j'étais obligée de m'arrêter, c'était juste pas possible en fait. Donc là, pour l'instant, c'est réservé aux démos. Donc venez, rejoignez-moi. Rejoignez là tout de suite, tout à l'heure, demain matin, mon équipe. Et faites-vous plaisir avec elle. Parce qu'en plus, avec la SAM, du coup, il va vous rester à peu près 78 €. Une fois que vous aurez acheté la collection complète, il vous reste 78 € pour vous faire plaisir. Et pour votre kit de démarrage. Et puis en plus, vous pourrez choisir 2 sets de tampons, même les plus chers. Hein. Les cartes, on y va? Je vous montre. Je sais pas par laquelle commencer. Allez, celle-ci. Pointe pacifique, c'est un bleu que j'aime beaucoup et que j'ai très rarement l'occasion d'utiliser. La vague doit super bien rendre. Tu n'as pas une carte. Bah si, regarde Laurence. C'est ça, on y est. Voilà une première version. Donc Pointe pacifique, j'ai embossé le message avec... la poudre argentée, j'ai découpé le reflet de la vague, pareil, dans le reflet, dans le papier argenté aussi. C'est juste magique, j'adore. Et en plus, homme, femme, pas d'importance. Là, vraiment, aucun souci. Tout simple, mais alors incroyable. Vous comprenez pourquoi j'adore? La deuxième. Dizia, t'es trop marrante. Oh, je vois le beau surfeur, Fabienne, mais je te jure. Ici, j'ai voulu quand même utiliser le papier design qui est trop beau avec le tamponnage ici. Ça, c'est inspiré du flyer, tout simplement. Le papier design aussi. Hop, je me suis servi du poinçon pour découper le contour, tout bêtement, au crayon, découpé au ciseau. Et puis après, hop, la mise en valeur ici avec le papier argenté. Une petite bande d'un autre papier design de la même collection, bien sûr. Le sentiment joyeux anniversaire, hop, tamponné dans le Narcisse d'Hélice avec du Corail Calypso. Voilà, tout simplement. Et puis le sentiment ici, tamponné en différentes... différentes générations, voilà, tout bêtement. Voilà, un petit décor tout simple. Pour l'intérieur, papier uni, papier design. Voilà. Béatrice, moi qui aime le bleu, c'est super. Ouais, mais vraiment, moi, c'est pareil. J'adore le bleu, vous le savez, le béguin bleu, c'est mon chouchou. Mais alors là, ces couleurs-là, j'adore. Alors ça, je pense que ça va être une collection genre on aime ou on n'aime pas. Hein. Et pour finir, voilà. Donc là, on est dans le très très brillant. Hein. Hop. Donc j'ai utilisé les deux, hein, le Copacabana et l'argenté. Copacabana ici à la brosse à estompe. Ok, avec, vous le savez, le rond dans dans un post-it, tout simplement, pour après passer la brosse autour et avoir ce beau rendu ici. L'étiquette découpée dans le papier argenté et le sentiment embossé à chaud avec de la poudre noire, tout simplement. Vous reconnaîtrez pour certaines, je pense, les pois mat noirs, tout simplement. Voilà, ça donne envie d'évasion tout ça, hein. On est d'accord. Voilà, j'ai juste mis du blanc à l'intérieur. Le papier matage argenté, évidemment. Le papier uni Copacabana. Magnifique, toutes les trois. Un coup de cœur pour la dernière. Merci Stéphanie. Voilà, c'était mon coup de cœur de la fin. Voilà, alors du coup, si vous craquez aussi, hein, je suis à votre disposition pour vous accueillir dans la team Harmony Scrap dès ce soir. Je suis totalement fan de ça. Vraiment, je craque complètement. Ça a été un vrai bonheur de préparer ces cartes-là. C'est voilà, un moment d'évasion, de plaisir. C'est juste, qu'est-ce que c'est bon la carterie et le scrap, sincèrement. Vraiment, c'est une thérapie. C'est tout à la fois. Il me reste à vous poser les deux dernières questions de la chasse au trésor, épisode numéro 2. Attention, tu nous as même fait voyager, tu es une magicienne. Oh, et toi, t'es un amour. Alors, question numéro 9. Citez tous les rubans du mini-catalogue faisant 1 cm de large. C'est pas compliqué. Hein. Envie d'aller à la mer, mais pas encore en vacances. Donc, oui, j'y suis jamais non plus. Hein. Citez les rubans faisant 1 cm de large dans le mini-catalogue. 10e et dernière question de cette chasse au trésor. Attention. Quel est le nom de l'outil coupant un bateau? C'est facile. Quel est le nom de l'outil coupant un bateau? Pareil, tout ça vous trouvez dans le mini. Quel est le nom de l'outil coupant un bateau? Pour le ruban de la question 9, il y en a plusieurs, hein, je les veux tous, attention. Hein. On ne triche pas, on n'en met pas qu'un ou deux, il y en a plusieurs. Je ne vous dirai pas combien, mais il y en a plusieurs. Et donc, pour la 10e, quel est le nom de l'outil coupant un bateau? Je sais quand vous êtes en train de noter les questions, parce que du coup, il n'y a plus de commentaires. Il n'y a plus de petits pouces, il n'y a plus de petits cœurs, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Coupant un bateau. Oui, oui, coupant un bateau. Oui, ça ne fait pas très joli comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Cherchez. Voilà. Coucou Lucie, on arrive à la fin. Je suis désolée de ne pas vous avoir eu directement, mais du coup, il y aura live, ma belle. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Je sais. Bon, et bien voilà, nous arrivons. Oui, Ticia, tu vas voir, tu vas trouver, ma belle. Nous arrivons au terme de cet épisode numéro 2 des portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon moment et que ça vous aura plu. Et sinon, il y avait quoi comme champignons ce midi? Je te signale que ce que j'ai mangé, c'est ta recette. Alors, hein. Ticia a trouvé. Jocelyne aussi a trouvé. Bah, vous voyez que c'est pas si compliqué. Tout le monde a sa chance. Donc, je disais que j'espère que sincèrement que vous avez passé un bon moment, que les personnes qui m'ont rejointe pour la première fois, elles aussi ont passé un moment agréable. En tout cas, moi, oui. Bon, j'ai des petits cafouillages, hein. J'ai pas eu le temps de noter toutes les questions, mais je regarderai en replay. Oui, Véronique, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Maugreux. J'ai toujours du mal à prononcer ce prénom, mais il faut que j'intègre ton prénom. Je suis désolée, vraiment. Si je peux, tout le monde peut. Non mais Ticia, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si jamais vous regardez ce deuxième épisode des portes ouvertes virtuelles en replay, n'oubliez pas que vous pouvez mettre pause déjà pour noter les questions, ça c'est top. En haut de la vidéo sur Facebook, vous avez tous les liens dont vous pourriez avoir besoin pour vous rendre, par exemple, sur les kits, sur la boutique. Pour rejoindre mon équipe, vous avez le lien direct. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Pour le club des anniversaires aussi. Voilà, vous avez tous les liens dont vous aurez besoin en haut de la publication sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. N'oubliez pas d'aller ouvrir cette barre d'infos sur YouTube parce que là aussi vous aurez tous les liens dont vous aurez besoin pour déjà vous trouverez un maximum de réponses à vos questions ici, ça c'est certain. Voilà, si vous regardez également cette vidéo en replay, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, le petit pouce, le like, le petit cœur, le partage aussi, pourquoi pas, les abonnements si c'est pas encore fait. Voilà, c'est grâce à vous, tout simplement, que je peux me faire connaître et continuer à profiter de cette passion. Voilà, c'est vraiment grâce à vous. Je file t'envoyer mes réponses avec plaisir, Laurence. Merci, merci. Voilà, je vous rappelle, n'oubliez pas, vos réponses aux questions doivent être envoyées avant dimanche 13 février midi, uniquement sur ma boîte mail harmonyscrap.fr, d'accord? Et je ferai dans l'après-midi le tirage au sort parmi les bonnes réponses uniquement. Il y aura 2 gagnantes ou gagnants pour le set de tampons Calme de Camélia. Je ne sais pas faire sur YouTube, ouvrir les liens. Faut juste cliquer dessus, Véronique. Mais sur Facebook, c'est les mêmes, donc il n'y a pas de panique. Sinon, tu me diras les liens que tu veux et je te les enverrai en direct en MP, en message privé, il n'y a pas de souci. Merci Fatou. Et donc, je disais, dimanche 13h, midi, pardon. Dimanche 13 février, midi, pour l'envoi des réponses aux questions de la deuxième chasse au trésor. D'accord. Ensuite, tirage au sort. Ok. Et on se retrouve en Zoom à 17h30, dimanche 13 février, pour que je puisse vous donner les réponses aux questions et puis répondre moi-même à vos questions si vous en avez. Ok? C'est clair pour tout le monde? Je l'espère en tout cas. Je vous remercie sincèrement d'avoir encore été présente pour ce nouveau live des portes ouvertes virtuelles. J'espère que ce format vous plaît, qu'il vous satisfait, qu'il vous inspire, qu'il vous aide, qu'il vous donne du baume au cœur et le sourire, puisque c'est tout ce que je demande, tout simplement. Et puis, en fait, on va se retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un live créatif, pour une carte très simple que vous avez beaucoup demandé. Donc on va se faire plaisir et donc on va se retrouver mercredi prochain à 14h pour réaliser cette belle carte. Ça marche? Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas la fin de la Celebration le 28 février. Donc surtout, profitez-en, ça serait dommage de perdre ces produits qui vous plaisent tant. Et puis si vous avez des questions, un petit message. Ça marche? Je vous embrasse. Bon après-midi, prenez soin de vous et à très bientôt.